D'après une citation d'un inconnu, ce sont nos passions et nos intérêts qui mènent le monde. Et si c'était vrai? Dans cette émission, nous vous présentons des passionnés qui œuvrent, dans leur domaine respectif, à l'aménagement durable du milieu forestier. Pour eux, la forêt, c'est un mode de vie, un milieu de vie. Stéphanie Pelchat, responsable des communications à l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, discute avec eux de leur intérêt et de leur passion pour la forêt. J'aimerais ça que tu commences par te présenter ton nom, ton titre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai plusieurs chapeaux. Alors, je suis ingénieur forestier depuis 2001. Je suis le directeur général de la Conférence régionale des préfets, le directeur général d'Alliance Forêt Boréale et aussi, au premier chapitre, le coordonnateur des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sébastien Dufour, je suis directeur général du groupe Val, copropriétaire également, puis ingénieur forestier de formation. Moi, je suis président directeur général de la compagnie Landes Forestières Wapat. Qui est Landes Forestières Wapat? C'est une entreprise qu'on fait du reboisement. À date, on est rendu à 65 millions d'arbres de plantés depuis son existence de l'entreprise. On fait de la préparation de terrain. On doit être rendu à environ 33 000 hectares de préparation de terrain de fête aussi. Ça commence à faire des gros terrains de jeu. Moi, je suis Manon Simard. Je suis directrice générale de Syrie-Lac-Saint-Jean puis de Bois-Lac-Saint-Jean. Je m'occupe des deux entreprises au niveau de la gestion, au niveau de la planification, au niveau forestier. Je fais des ventes aussi. Puis je m'occupe aussi de tout le financement, les rapports financiers. Et... Je suis donc Catherine Thibault, conseillère en communication au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Je m'occupe du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Donc, on dit que c'est un territoire qui est aussi grand que la Suède. Donc, je suis très occupée. Tu es éco-conseillère. Oui, je suis aussi éco-conseillère. C'est vraiment pas un prérequis pour être en communication, mais c'est un gros plus dans mon cas. J'ai fait un bac en relations publiques, puis après avoir travaillé un peu dans le milieu de la publicité, je me suis rendu compte que ça collait pas du tout avec moi, ni avec mes valeurs. Et j'ai fait un retour aux études à l'UQAC dans le programme éco-conseil, puis en suivant les cours de deuxième cycle, ça a fini par me donner une maîtrise, donc dans le domaine des sciences fondamentales. Quand on additionne les deux formations ensemble, ça me donnait des très bons outils pour vulgariser tous les enjeux de développement durable. Après avoir fait un petit détour chez Rio Tinto, c'est ce qui m'a amené à appliquer pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et puis, je pense que j'ai vraiment, vraiment trouvé ma place. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans le domaine forestier? C'est sûr que moi, j'ai pas aucune profession d'ingénieur, de technicien ou quelque chose de même. Moi, j'ai appris sur le tas. Moi, j'étais un ancien débroussailleur, puis je voulais améliorer mon sort. J'ai réussi dans le temps de prendre un petit contrat avec Beauwater. On avait un 250 hectares de débroussaillage à faire. De fil en aiguille, j'ai fait une couple d'années avec ça. On avait dans ce temps-là une dizaine d'employés. Là, on a eu une opportunité de partir dans le reboisement, une chose que je connaissais pas beaucoup. J'ai pogné un partenaire, Martin Simard, un de mes partenaires, dans le temps. Puis on a fait une compagnie ensemble qui s'est appelée Landes Forestières Wapat. On a commencé dans le reboisement. La première année, je pense qu'on avait 1 million d'arbres. On a fait un an ou deux de même, puis après, on a eu l'opportunité de faire de la préparation de terrain, une chose que je ne savais pas que ça existait. Je me demandais ça mangeait quoi dans l'hiver, cette affaire-là. Quand j'ai parlé à Martin, j'ai dit, est-ce que c'est payant? C'est quelque chose de rentable, faire ça? Il me dit, oh oui, c'est quelque chose qui est l'année, puis quelque chose qui est payant. Il dit, avec 1000 hectares, il dit, on serait capable d'avancer correct dans la saison. L'année après, on était en Suède. On était voir les nouvelles machines qui ont sorti, les T26. On a acheté deux machines, on les a amenées ici au Québec. On a d'autres là qu'on a commencé à faire de la préparation de terrain. Puis plus qu'on avançait dans les années, plus qu'on montait plus de plants. Il y a des années, on était en haut de Dolbeau Mistassini. On a monté une année jusqu'à 10 900 000 plants avec 145 hommes. On a avancé. Chaque année, on en fait tout le temps. Là, on reboise là, présentement. Là, les dernières années, là, on joue entre 4 millions, 5 millions d'arbres par année. Présentement, on est dans le sud de Dolbeau. On a un camp forestier qui est là sur le chemin du Caribou. On est capable d'héberger une centaine de personnes. Initialement, on était une famille qui allait beaucoup en forêt. On allait à la pêche, à la chasse. Puis ce qui m'a amené à avoir un intérêt envers la forêt comme telle, c'est que je voyais des coupes forestières. Je trouvais ça pas beau. Puis j'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire ça différemment. Puis je me suis lancé dans la recherche de ce qui était le métier d'ingénieur forestier. Pour se rendre compte que c'est très vaste, puis que c'est un programme qui est très complet, puis... très pratique. C'est ça qui m'a intéressé dans le fond, dans le métier d'ingénieur forestier. C'est un peu par le fait que de mes parents. Mes parents travaillaient là-dedans, ils ont toujours travaillé dans le domaine forestier. Mon père était entrepreneur forestier. Il a commencé dans le transport, mais il a continué là-dedans.
Ça m'a intriguée à partir du moment où ils ont acheté une usine, une première petite usine. Puis j'ai vu le développement de tout ça. Je travaillais un peu à aider ma mère là-dedans. Puis de fil en aiguille, ben j'ai trouvé ça intéressant, surtout le domaine de la transformation. Puis quand on voyait les premiers éléments qu'on faisait, on faisait de la programmation au niveau des coupes forestières, c'était intéressant. Puis de plus en plus, je voyais aussi toute l'automatisation qui allait avec ça. Puis moi, j'ai une formation dans le domaine informatique, fait que quand je voyais ça, je trouvais ça super passionnant parce qu'il y avait un peu bien des éléments que j'aimais beaucoup. Si on peut remonter là, à mon plus jeune âge, moi, je viens de Sacré-Cœur, qui est une communauté forestière où il y a l'employeur principal, Bois-Saco. Tout le monde travaille à l'usine. Là. On connaît tous là, des gens de sa famille qui y travaillent. Donc, j'ai baigné dans la foresterie dès mon jeune âge. On a une terre familiale où j'ai passé toute ma jeunesse, autant mes étés que mes hivers, dans le bois. Mon père qui bûchait nous apportait, nous montrait c'était quoi. On jouait avec les amis à faire des camps en forêt. Quand on jouait à la cachette, nous, on jouait pas à l'entour de la maison. On allait se cacher dans le bois, puis c'était marqué... On essaie de se trouver, là. Donc, j'ai toujours été dans l'environnement de la forêt. Ça a toujours fait partie de moi. Puis justement, qu'est-ce que tu dis à ta famille, tes enfants, tes amis, ton entourage, pour leur dire que pour toi, la forêt puis le bois, c'est important? En fait, moi, je me vois comme un agriculteur. Au lac Saint-Jean, il y a des terres agricoles importantes. Puis quand on passe dans les chemins, on ne s'offusque pas de voir des champs qui ont été coupés parce que le foin devait être coupé. Bien, moi, je fais un parallèle avec la forêt et l'agriculture. C'est ce que j'explique, c'est que je jardine la forêt. Je fais en sorte que la forêt va repousser puis va continuellement être là pour mes enfants puis pour les gens qui vont venir après. Ça se cultive, une forêt. Donc moi, je l'explique de cette façon-là auprès de ma famille. Faire en sorte qu'on puisse s'en servir intelligemment pour lutter contre les changements climatiques. Quand on regarde autour de nous, là, les gens ne s'en rendent pas tellement compte. Mais quand on regarde, du bois, il y en a partout. Et on est au parc Rivière-du-Moulin aujourd'hui, là, puis on regarde, les clôtures sont en bois, les gazebos sont en bois, le pavillon d'accueil est en bois, les maisons alentour de la rue, l'autre côté de la rue, sont toutes construites en bois. Le bois fait partie intégrante de nos vies. Donc, si on ne cultive pas cette forêt-là pour qu'elle demeure productive puis qu'elle se régénère, il va y avoir un problème à un moment donné. Puis moi, c'est ça que je dis aux gens, c'est que je suis un artiste de la foresterie. C'est pas moi qui fais la planification, mais je fais en sorte que les gens qui en font puissent continuer à en faire, puis les gens qui transforment le bois puissent continuer à le transformer. Bien, c'est un élément très important dans nos vies, surtout en région comme ça. Puis ça fait vivre beaucoup de familles. Ça fait que c'est un produit qui est renouvelable. C'est une chose qui est très importante pour moi. Puis avec tout ce qu'on a aujourd'hui de principes et de respect, je trouve que c'est excessivement important. Puis c'est une ressource qui va toujours être là. Elle va se renouveler tout le temps. Ça vient vraiment me rejoindre dans mes valeurs. J'ai vraiment l'impression qu'en faisant l'éducation du grand public sur le fait que quand on coupe une forêt, ça saigne pas, sur le fait que quelque chose qui est laid, ça veut pas nécessairement dire que c'est mal, ça dépend des yeux avec lesquels on le regarde. On peut voir une coupe récente, quelqu'un va voir quelque chose de dévasté, mais un forestier va dire « Ah, wow, il y a plein de belles régénérations ici, ça va reprendre super bien. » En m'attaquant à des faux débats, on le sait, quand il y a un débat, c'est parce que c'est le symptôme d'un manque d'information, c'est le symptôme d'un besoin en information. Puis en forêt, ben c'est l'enfer, je veux dire, tout ce qu'il faut déboulonner, tout ce qui se véhicule, qui est inexact ou mal tourné, ou les gens ont tous hein, leur propre agenda, il n'y a personne qui est de mauvaise foi, mais tout le monde défend ses yeux, sa vision de la forêt, puis c'est la sienne qui est la plus importante. T'sais, c'est vraiment dans l'esprit du développement durable. On veut aménager une forêt pour répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre la capacité, oui, des générations futures, mais de nos espèces contemporaines, des espèces futures à pouvoir y vivre aussi. On parle toujours d'aménagement forestier durable parce qu'il y en a qui sont là pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui sont là pour le social. Puis quand j'en parle à mes enfants, en fait, quand on va en forêt, nous, c'est pour faire du VTT puis s'amuser. Puis ce qu'ils voient de la forêt, c'est un milieu pour s'évader. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on ne se fera pas de cachette que tout le monde, on a des chalets en forêt. On travaille en forêt la fin de semaine, on est rendu à nos chalets, on est rendu dans le bois. On est toujours dans le bois. C'est tranquille, on peut relaxer, on peut voir des choses, on peut pratiquer nos sports, autant la chasse, la pêche, des choses de même. Tu sais, c'est pas la même vie que le stress d'être en ville, de courir, puis faire ici. Moins pire qu'à Montréal, là. Mais ici, pareil, tu sais, c'est là que tu vas te ressourcer un peu. Moi, c'est comme ça, je le vois. Il y en a qui sont là pour le côté environnemental, pour protéger la forêt, puis il faut respecter ça. Puis
tout notre cadre législatif puis de certification au Québec encadre amplement là, tout le côté environnemental, donc, malgré qu'on peut toujours en faire plus. Puis le côté économique, moi, mon entreprise est là pour ça, puis c'est important parce que ce que j'explique, dans le fond, à ma famille et à tout un chacun, c'est que la forêt, je prends notre cas à nous, pour nous, c'est 160 emplois directs, ces opérations forestières qui travaillent à chaque jour. On coupe un arbre, on le transporte à une usine à Alma, on peut aller le faire sécher à Héberville, puis il va être distribué dans des, je prends un exemple, dans des BMR de la région, puis un gars va prendre ce bois-là, puis il va aller se faire un chalet en forêt. Tu sais, ce qui est passionnant pour notre milieu, pour notre domaine, bien, l'arbre qu'on coupe le lundi peut se retrouver dans le chalet à quelqu'un 6 mois après. On voit pas ça souvent, puis moi, je trouve ça épatant. Moi, je m'appelle Catherine Gagné. Je suis naturaliste au primaire pour l'Association forestière. Je m'appelle Élise et je suis naturaliste au primaire pour l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais en fait, qu'est-ce qui m'a amenée à travailler vraiment dans le domaine forestier? C'est la connexion qu'on a avec la nature. Vous savez, la foresterie, c'est pas simplement les arbres, c'est vraiment l'être humain aussi qui est derrière tout ça. Ça peut être la faune aussi, donc c'est vraiment la nature. Je pense que j'ai toujours vécu dans un milieu qui était forestier, puis j'ai toujours aimé les animaux, la nature, les arbres, donc ça m'a menée vers la foresterie. J'ai commencé par faire un DEP, vraiment, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Donc, c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre là, pour la foresterie. Puis, j'ai décidé de poursuivre, dans le fond, mes études en faisant une technique, donc vraiment au collège. Puis, j'ai terminé avec, justement, un baccalauréat là, en sciences forestières. Puis, c'est vraiment là que j'ai su là, que c'est ça que je voulais faire là, comme métier. Là. Moi, j'ai fait un diplôme d'études collégiales en technologie forestière au cégep de Chicoutimi. Puis, c'est ce qui m'a amené à travailler hein, dans le domaine de la foresterie. À l'Association forestière, on est privilégié hein, à aller dans les écoles, à aller rencontrer les jeunes, puis partager nos connaissances, nos valeurs, qu'est-ce qu'on connaît hein, sur la forêt et le bois. Je trouvais pour moi que c'était plus valorisant justement de partager mes connaissances puis d'apprendre des choses aux jeunes. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me valorise. On a des ateliers évolutifs du préscolaire jusqu'à la 6e année. Donc, au début, on leur apprend déjà l'importance de l'arbre. Je trouve ça bien qu'ils puissent apprendre ça à cet âge-là. Puis ensuite, à chaque année, ils vont évoluer hein, jusqu'à apprendre le cycle du carbone. Donc, nos ateliers sont vraiment visés par l'éducation aussi. Puis on leur apprend à chaque année quelque chose de nouveau. Puis ils sont contents. Ils se souviennent toujours qu'on est venu l'année d'après. Puis ils ont hâte déjà d'apprendre là, des choses nouvelles sur la forêt. Donc, on a vraiment élaboré un programme pour montrer, dans le fond, pourquoi est-ce que l'arbre est important. C'est des ateliers qu'on va faire avec eux, puis qu'on va aussi aller à l'extérieur. Donc, c'est d'apprendre les arbres, les êtres vivants aussi qu'il y a dans la forêt, puis ensuite jusqu'au cycle du carbone qu'on apprend en 6e année, là, à l'automne. Ils peuvent nous poser des questions. On leur fait faire toujours une petite activité aussi qu'ils ont à manipuler des objets. Puis c'est ça qu'ils retiennent de nos ateliers. Le fait qu'ils soient bien outillés, bien informés, bien sensibilisés, bien, en fait, ça va les pousser à être des citoyens qui vont prendre des meilleures décisions dans leur vie. Dans le fond, le métier de naturaliste, c'est d'être passionné. Si on veut le transmettre, si on veut vraiment les sensibiliser. Je te connais un petit peu, mais j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu fais dans une journée typique de ton métier là, à tous les jours. L'actualité gouverne beaucoup mes journées. Je travaille avec les préfets, la région. Donc, le milieu politique municipal est très près de mes dossiers. Le matin, la première des choses, c'est regarder la revue de presse. Qu'est-ce qui est sorti dans les journaux? Qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité qui va popper, mettons, si on peut dire, là, dans la journée pour voir si on n'a pas à traiter le dossier en question? Ça, c'est un des premiers éléments là, qui m'attend au bureau quand j'arrive le matin. Mais j'ai pas de journée typique. Moi, je me lève tous les matins à 3 heures. Je fais le tour des chantiers, je fais le bureau. Je fais ça jusqu'à 8-9 heures le soir. C'est pas 5 jours, c'est pas 3 jours, c'est 7 jours. Je suis toujours en train de travailler. Je suis chanceux, là, je suis grand-père. Mes enfants sont pas à la maison. Ma femme a travaillé dans l'entreprise, elle est cuisinière en haut. Ça me permet de pouvoir aller faire le tour. En 2 jours, j'ai fait 780 km, dimanche, lundi, juste faire le tour de mes chantiers, puis partout. Puis comme j'ai toujours dit à mes employés, puis à tout mon monde, tu sais, je suis sur le terrain. J'ai bien beau être le directeur général, le président directeur général de l'Arbre forestier Wapat. Je suis sur le terrain tout le temps avec mes hommes, puis je parle avec mes planteurs, je parle avec mes cuisinières, je parle avec mes techniciens, je parle avec les ingénieurs. Tu sais, je suis partout.
Puis j'ai pas peur d'arriver, de me rentrer dans une vanne puis les aider à décharger la vanne. Et c'est quoi qui vous anime là-dedans, tu sais, de leur transmettre votre passion? C'est... Le gros, ça fait beaucoup d'années que je regarde ça avec le nombre d'arbres qu'on a plantés, 65 millions. T'imagines-tu la forêt que je viens de laisser à mes enfants puis mes petits-enfants, puis mes arrière-petits-enfants? Une chose, un jour, mais ces enfants-là ils vont peut-être avoir la fierté de dire « Mon grand-père, tout ce secteur-là, c'est lui qui l'a reposé. » C'est la richesse qu'on va laisser à nos enfants. Puis comme je disais à mes planteurs, ils ne voyaient pas là, au-delà d'être payés pour le faire, qu'est-ce qu'on laisse, surtout qu'on vient de Mastoyage. Ils disent qu'on est des gardiens de la terre. Regarde, on aide la terre aussi à mettre des arbres puis avoir des forêts. Là. C'est parce que 65 millions d'arbres, c'est beaucoup, là. Parce que pour moi, je trouve, il y en a peut-être qui sont rendus plus, il y en a qui sont rendus moins, mais moi, 65 millions d'arbres, je trouve ça beaucoup. Là. Vous êtes fiers. Oui, ça, c'est une grosse fierté qu'on laisse. Puis si vous connaissez mon logo, Wapat, c'est une patte de caribou. Hein. C'est un caribou, ça gratte toujours le sol. C'est le même principe qu'un planteur. Il va gratter pour avant de mettre son arbre. Puis la patte, pourquoi je la laisse? Parce que je veux laisser ma trace. C'est pour ça que tous mes documents, il y a toujours une trace de caribou dessus, pour laisser ma trace, laisser quelque chose. Une journée typique dans la peau de Sébastien, une journée, ça ressemble à quoi? Mes journées en tant que directeur général, en fait, j'ai jamais une journée pareille. C'est sûr qu'à la base, ce qu'il faut faire, c'est aligner nos ressources avec les contrats, puis s'assurer qu'on dispose des ressources, c'est-à-dire autant de la machinerie forestière que tout ce qui est de l'équipement de pelle tracteur, tout ce qui est le transport forestier. Il faut tout arrimer notre calendrier avec les besoins des clients. Fait que c'est un travail qui commence un an d'avance. On est toujours en train de penser à l'an prochain, à chaque jour, pour essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on fait, parce qu'on fait encore des erreurs. C'est de la planification sans arrêt pour s'assurer que les ressources sont bien disposées. On a énormément de secteurs, ça fait qu'on essaie de mettre la machinerie aux bons endroits, au bon moment de l'année. C'est ça mon gros défi en tant que directeur général. Pour le reste, on fait de la gestion courante d'opérations forestières. On est vraiment dans le feu de l'action. À chaque jour, on a environ une cinquantaine d'équipements forestiers qui se déploient sur le territoire. Ça fait qu'à chaque jour, dans les nombreux secteurs, il y a des mouvements de fardiers. Il y a de la logistique à faire sur la séquence des opérations. Puis on est toute une équipe, c'est pas juste moi qui fais ça, mais on est toute une équipe à agencer cette séquence-là puis réagir à tous les imprévus qui arrivent, que ce soit des besoins qui changent, des secteurs, que ce soit la météo. On est très dépendant de la météo. Quand il mouille, c'est problématique pour nous. Quand il neige, c'est problématique. Ça fait qu'on passe notre temps à réagir à ce qui s'en vient devant nous parce qu'il nous arrive dans le moment. On peut dire plus une semaine. Je travaille plus en semaine là, parce que je regarde mes productions. Je regarde la production de l'usine. Je regarde la production de séchage-rabotage. Je planifie les transferts. Je planifie les ventes. J'ai donné à ce contrat les ventes du bois sec à une autre équipe de la région qui s'appelle Bois du Fjord. Puis du côté du bois brut, c'est encore moi qui s'en occupe. Ça fait des années. Au début, je vendais toutes les productions. Maintenant, j'ai relâché un peu parce qu'on en a beaucoup plus. Puis je trouve ça quand même très intéressant, mais ça occupe pas mal. Puis on s'occupe des paiements, de nos fournisseurs, de s'occuper de notre forêt, de la planification avec les gens de la forêt. Il y a des périodes où cette période-là, on décide avec eux où est-ce qu'on dirige nos coupes. Puis même si des fois, c'est pas si extraordinaire que ça qu'on puisse changer, mais au moins, on donne notre feeling. Puis après ça, on peut planifier tous nos sous-produits, comment est-ce qu'on organise toute la production au niveau de l'usine puis au niveau du séchage-rabotage. Fait que c'est un peu tout ça, plus la gestion des employés, plus la santé et sécurité. On essaie d'aller en forêt à chaque année. C'est notre défi, d'organiser une sortie terrain pour montrer aux gens comment ça se fait, la foresterie. Quand il y a des mesures d'harmonisation pour répondre à différentes demandes, on amène les gens pour démontrer comment est-ce que ça se concrétise réellement sur le terrain et comment est-ce qu'on est capable de faire de la foresterie dite un peu plus sociale, harmoniser les demandes forestières qui nous sont demandées pour faire en sorte qu'il y ait un consensus puis une grande acceptabilité sociale avec la foresterie et qu'on soit fiers de notre foresterie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'adore aller en forêt parce que quand je vais en forêt, j'ai pas de problème au bureau. Mais j'y vais très peu souvent parce que, justement, je suis beaucoup plus utile à régler le courant au bureau parce que je fais le lien entre les besoins de mes contremaîtres, les besoins de mes chantiers, puis les besoins de mes clients. Faire le suivi des opérations, c'est à la minute qu'il y a des changements, puis il y en a toujours. Il faut avertir le ministère, il faut avertir nos clients. Ça fait que faut attendre d'avoir les autorisations. Juste s'assurer de la conformité de nos opérations en continu. Juste ça, c'est un travail de chaque minute, en fait, parce qu'il arrive toujours des imprévus. Il faut s'assurer de respecter la planif ou du moins de la rentrer dans un cadre légal qui est conforme, en fait.
qu'est-ce que tu aimes quand tu vas en forêt, dans le bois? Bien, ce que j'aime, c'est que j'apprends tout le temps. J'ai beau avoir un diplôme de deuxième cycle en sciences fondamentales, ça me donne un peu de culture générale pour comprendre. Mais quand on arrive dans le milieu forestier, c'est un autre monde. Les forestiers ont un langage très technique, très hermétique. C'est toujours beaucoup plus compliqué qu'on pense. Ça fait 8 ans que je fais ce travail-là. Ça fait 8 ans que j'en apprends à tous les jours. Puis les connaissances sont mises à jour aussi. On continue de les mettre à jour. On continue d'additionner des nouveaux facteurs, des nouvelles connaissances. Puis il y a des choses que des fois, on peut dire, bien, finalement, ça n'a pas l'effet qu'on pensait. Donc, on va laisser tomber ce traitement-là. On va privilégier un autre traitement. C'est de l'apprentissage en continu. Donc, moi, j'ai du travail jusqu'à la fin de ma carrière. Qu'est-ce qui te passionne quand tu vas en forêt? Les gens qui gravitent autour de cette sphère-là, faut avoir la forêt tatouée sur le cœur. Toutes les gens qui travaillent dans le domaine, c'est des passionnés. Premièrement, c'est très énergivore. T'es loin de ta famille. Les gens qui sont en forêt, pas dans mon cas, mais les gens qui passent la semaine en forêt, ça reste c'est un mode de vie qui est complètement différent de quelqu'un qui est chez eux à chaque jour. Puis nos gens sont quand même, je vous dirais, très fidèles. Notre base dans le groupe Val est très fidèle. Plusieurs travaillent depuis chez nous depuis 5, 10, puis même 20 ans. Puis c'est des gens qui n'ont pas le choix d'être passionnés, en fait, parce que tu ne peux pas faire le sacrifice d'être parti toute la semaine. Malgré que j'ai des chantiers très proches, dans mon cas, les gens ne sont pas partis loin, longtemps. Ça part le lundi matin, puis ça revient le jeudi soir. Ça fait que c'est quand même des bons avantages de mes chantiers. Ça fait qu'effectivement, c'est des bons sacrifices, même pour les gens au bureau comme moi, en fait, là, parce qu'être, oui, ingénieur forestier, mais surtout entrepreneur, c'est un défi de chaque instant, puis il n'y a pas de temps, en fait, puis il n'y a pas d'heure d'ouverture, il n'y a pas d'heure de fermeture. S'il n'y avait pas de foresterie, on ne serait pas là. On ne s'en parlerait pas, parce que c'est l'activité forestière qui nous amène à harmoniser quelque chose. Mais il faut être convaincu que l'activité forestière amène quelque chose en région, puis on le voit ici au Saint-Jean. On est la région la plus forestière du Québec. Moi, c'est mon terrain de jeu. J'ai un terrain de jeu incroyable là, à travailler ici avec l'environnement politique, avec les acteurs régionaux. On a 23 municipalités qui sont dépendantes de la foresterie, sans quoi leur secteur premier d'emploi va tomber puis les villages vont finir par disparaître parce qu'il n'y aura plus d'emploi pour répondre aux besoins de leurs citoyens. Donc, c'est important pour tous. Puis ça, il faut y croire. Puis la foresterie, moi, j'y crois. On le sait, le bois, ça a des vertus écologiques, puis on veut s'en servir pour lutter contre les changements climatiques, notamment. Moi, ça me passionne, la foresterie. Là, je pourrais passer des heures à me promener en forêt, puis j'aurais toujours quelque chose à dire, à raconter. Je suis même tannant, là, quand je me promène en forêt avec mes enfants. Ah, ben là, on est dans une pécière, puis là, j'explique un peu, mais écoute, c'est des... Ils sont tout petits. Ils sont tout petits, là. Ils sont bien contents que papa parle, mais... Papa peut se taire de temps en temps. C'est un lieu de ressourcement aussi, la foresterie. Donc, ça a plein de vertus, la forêt. Personnellement, j'ai toujours été intéressée par les questions environnementales. J'étais la petite fille fatigante qui fermait l'eau de sa sœur pendant qu'elle se brossait les dents. Plus j'en apprenais au cours de mon parcours universitaire, puis au cours de juste aussi mes propres intérêts personnels, je me rendais compte que souvent, on prenait le problème à l'envers. Quand j'ai fait mon retour aux études, je me suis dit... Je vais sauver la planète, puis on s'occupera des humains après. Puis je me suis rendu compte que c'est pas comme ça que ça marche. Les humains, ils s'occupent de leur environnement quand ils vont bien. Quand je suis partie aussi de la région en 2004, moi, je regardais l'industrie forestière comme une industrie du passé, comme quelque chose de terminé, comme quelque chose qui est derrière nous. Alors que plus j'en apprenais sur les enjeux de développement durable, je me suis rendu compte que non, l'aménagement forestier, c'était pas une industrie du passé, c'est une industrie du futur. Et ça va faire partie de la solution, ça fait partie de l'avenir, justement, dans l'enjeu contre les changements climatiques. Il y a des lois, il y a des règlements, vous avez beaucoup de lois à respecter. Donc, faut être passionné parce que souvent, il y a beaucoup de technicalités à gérer. Oui. Ça prend la passion. Des fois, c'est un peu épuisant, mais on aime ça. Quand on aime ça, on continue, puis on se trouve des beaux projets, puis on a des beaux défis, puis c'est intéressant. Puis ce qu'on veut laisser, c'est qu'on veut laisser quand même une entreprise en forme et en santé pour les prochains. Mes parents ont travaillé très fort sur tout ce développement-là, fait que je leur dois une belle chandelle parce que ils nous ont donné, bien, ils n'ont pas donné, mais on a fourni une belle entreprise qui est en santé aujourd'hui. C'est quoi le plus grand défi avec tout le monde là, qui est là dans la région?
Le plus grand défi pour la gestion intégrée des tables GIR, c'est sûr que le plus grand défi, c'est d'atteindre une certaine concertation pour que tout le monde soit d'accord avec une mesure, qu'elle soit appliquée sur le terrain et que ça fasse l'affaire de tous. Ça demande un peu une forme de lâcher prise, si on peut dire, parce que c'est du donnant-donnant. Il faut mettre un peu d'eau dans son vin pour arriver à dire, ben oui, OK, là, on est conscient que dans cette partie de territoire-là, nos activités ne seront pas les mêmes, mais on va quand même être capable de les faire. Le nouveau régime forestier, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous a fait garantir un peu nos travaux. Ça diminue, oui, dans les quantités, parce que sinon, on n'était plus pour l'industriel, on était pour le gouvernement, par leur bras d'affaires qui est Rex Forêt. Ça diminue un peu le nombre de plans, mais ça nous garantissait quand même un avenir à nos entreprises. Parce qu'avant, une entreprise civicole ne valait absolument rien. Tandis qu'aujourd'hui, on a des contrats garantis. C'est une compagnie qui vaut quelque chose maintenant comparé à avant. Une table de gestion intégrée, c'est une multitude d'intervenants qui viennent de différents horizons, qui ont différents intérêts par rapport à leur activité. Puis il faut concilier tous ces gens-là en lien avec l'activité forestière. Donc, il faut harmoniser, si on veut, tout ce qui se fait en forêt pour que tous et chacun soient respectés puis qu'ils retrouvent un peu son compte. Donc, c'est la concertation, la communication, c'est le défi premier là, pour favoriser une bonne gestion intégrée des ressources et du territoire. Espérons que nos sommaires de passion vous auront transmis le goût de la forêt et du bois et vous ont mieux fait connaître ces gens qui travaillent au quotidien au développement durable de cette grande richesse que sont nos forêts.